Bonjour tous à toutes, j'espère que vous allez bien aujourd'hui en ce nouveau jour. Nous sommes lundi, mardi pour vous, voilà, pour le contexte temps. Même si ça se trouve, vous regardez le vlog dimanche, donc bon dimanche. Ou vous le regarderez dans 20 ans, peut-être, et on ne sera pas mardi. Voilà, tout simplement. Allez, je raconte n'importe quoi. Alors, on va commencer par pourquoi est-ce que j'efface aussi rapidement mes fichiers? Le sujet de la vidéo d'hier. Donc voilà. Pourquoi? Parce que en fait, ça me prend énormément de place. J'ai un disque dur quasiment de 1 Tera, donc je sais pas si vous voyez, qui est rempli de vidéos. Et arrive un moment, c'est que je n'ai plus de place sur mon disque dur externe, et que j'ai pas envie d'en racheter un deuxième, et que finalement ces fichiers-là, je les garde au cas où, mais que finalement je les réutiliserai jamais, donc je les efface au fur et à mesure, tous les jours ou tous les deux jeux, enfin bref, le surlendemain. J'ai un dossier en fait où je mets tous mes fichiers du jour, et arrive un moment, j'efface tout. Et hier, donc par rapport au fichier du drone, donc en fait j'ai ma carte SD, je la mets dedans, je prends mes fichiers de drone, je les mets sur mon disque dur, et après je reprends la carte SD, et en fait normalement je les coupe, donc je les efface de la truc pour les mettre sur le disque dur. Sauf que hier, avant-hier, j'ai collé, en fait, j'ai tout enlevé, j'ai tout mis dessus. Donc sur la carte, il restait les fichiers du drone. Et donc quand j'ai remis ma carte dedans, j'ai vu les fichiers du drone, donc je me suis dit, il n'y a que les fichiers de drone, il n'y a pas les autres fichiers. Donc j'ai tout effacé, sachant que je les avais déjà sur mon disque dur. Voilà. Enfin bref, ouais, je raconte le sujet du truc. Enfin bref, ce matin, lundi, le prince, non, le roi, sa femme et le petit prince sont venus chez moi pour me... J'ai remarqué aussi que j'étais pas mal clair, voilà, sur mes vidéos. Donc ce matin, je vais faire quoi? Je vais refaire ma carte que je vous ai dit hier. Donc je vais refaire ma carte, je vais faire le montage, je vais faire la présentation, je vais faire tout ça ce matin ou aujourd'hui dans la journée, pour pouvoir la mettre pour mardi soir. Ensuite, je vais me lancer sur donc je vous l'ai dit hier, hein, sur mon truc grandeur nature. En fait, si, c'est grandeur nature, sachant que j'ai regardé la taille de ce personnage, il fait 1m60, il fait à peu près 1m60, je l'ai fait à peu près à la taille. Donc, que en papier, en prospectus et en colle de farine et d'eau. Franchement, cette colle, elle est magique, hein. Déjà, ça coûte pas cher, on peut en faire pas mal, et on peut en refaire au fur et à mesure, on n'est pas obligé d'aller au magasin, aller en acheter tout ça. Donc moi, j'aime bien, toutes mes citrouilles, elles tiennent bien avec. Bon, le seul truc, c'est quand on fait... sachant qu'en plus en ce moment il fait pas beau, quand j'ai fait les citrouilles, admettons, quand tu fais une épaisseur genre comme ça, genre avec 20 épaisseurs, le dessus sèche, et encore quand il sèche par rapport au soleil, mais à l'intérieur c'est encore assez humide, donc il faut les faire sécher pas mal. Je vais essayer, parce qu'en fait ma femme a récupéré un poêle à pétrole, donc on a acheté du pétrole, sauf que j'arrive pas à l'allumer, et en fait je pense que soit la mèche est sèche, soit je sais pas, soit en fait c'est la première fois que j'essaie d'utiliser un poêle à pétrole, donc je n'y arrive pas, et en fait j'aimerais l'allumer justement pour pouvoir faire sécher tout ça. Voilà, enfin bref, donc je vais me lancer directement sur la carte juste ici, après je vais me lancer sur la carte, non, je vais me lancer sur la carte, donc timelapse. Ouais, en plus, vous savez quoi, je vais essayer de la faire en une prise. Vu que je l'ai déjà faite, je vais préparer tout mon matériel, je vais essayer de la faire en une prise. Donc c'est parti.
On se retrouve. Franchement, j'ai bossé grave bien, rapidement. Il est à peine. Franchement, je sais même pas quelle heure. Il doit être 10 heures. Enfin, on va dire 10 heures. Et j'ai fini j'ai fini de recouvrir mon personnage. Alors, est-ce que vous arrivez à voir et surtout à imaginer ce que c'est? Voilà. Et j'ai été obligé d'allumer le truc pour la pétrole. Je cherchais le nom. C'était la première fois que je l'allumais. J'ai trop galéré à l'allumer. Enfin, bref. Donc là, il y a le corps. La tête est en train de sécher dehors. Mais à mon avis, je vais être obligé de le rentrer. Sachant le temps de ouf qu'on a. Donc je pense que je vais être obligé de la rentrer. Même ma femme a rentré son linge. Et franchement, l'atelier, il ressemble plus à rien. J'ai fait aussi un petit fantôme comme ça là. Alors, le truc qui est tout bête à faire, alors vous pouvez voir le crâne. En fait, j'ai fait avec un ballon, j'ai commencé à faire le truc, le rond quoi. Un peu comme la tête que vous avez vu dans le timelapse. Mais ça, ça fait un petit moment que je l'ai fait. Et après, en fait, je l'ai taillé en crâne. J'ai fait les trous. On a pris des compresses. En fait, on a eu des grandes compresses que j'ai collées dessus. Et j'ai collé à l'intérieur une... Est-ce que je vais réussir? Non. Je vais pas réussir. Une lampe. Alors... C'est ça, voilà. Donc on va accrocher ça dans le salon. Donc il y a le squelette aussi qui va retourner dans le salon. Je pense que cette semaine, vu que la péricultrice à Corinne est passée, je ne vais pas retrouver le truc. On va pouvoir finir de décorer, donc c'est-à-dire toile d'araignée. Vous voulez voir l'envers du décor? Donc ça ressemble à ça. Mais à l'intérieur, ça ressemble à ça. Voilà, tout simplement. Truc tout bête, hein. Franchement, ma femme hier, quand on est parti à... Comment je galère? Quand on est parti à Eurofouille, elle a vu le fantôme comme ça, qui coûtait 5 euros. J'ai dit, ouais, t'inquiète, je t'en fais un. T'inquiète, on n'use pas 5 euros. Donc voilà, donc au pire les compresses on les avait depuis des années, après c'est juste la colle, voilà le truc, il y a encore hein, le colle farine, je l'ai déjà dit tout à l'heure je crois, farine eau, franchement c'est le truc magique, hein. Franchement moi je kiffe. Voilà, donc j'ai fini ma carte, j'ai toujours pas fait la présentation, je vais la faire tout de suite, comme ça je vais enchaîner comme j'ai dit tout à l'heure, je sais plus en fait, ouais si je l'ai dit que j'allais le faire, j'allais tout faire dans la matinée. Donc je vais enchaîner ça et je vais attendre que tout ça sèche. Je vais rentrer quand même la tête dedans. Sinon je vais être obligé de prendre une citrouille pour tête, mais je voulais pas en fait. Moi je voulais vraiment faire ah ça va bien en fait. Regardez où je lui mets dans la main. N'importe quoi. Bon allez, je vais enchaîner ma... Ça devient critique là, l'atelier. J'ai pas de trépied, mais voilà, je fais tout ce que j'ai à faire et je vous retrouve tout à l'heure comme d'habitude. J'ai passé 20 minutes. Le pire, c'est une des dernières prises que j'ai faites. En fait, je vous dis toujours à bientôt sur une prochaine vidéo. Et en fait, j'ai bloqué sur le prochain. Je vous dis à bientôt pour une... J'ai bloqué sur ça. Et le pire, c'est que j'arrivais pas à dire prochaine. Donc, je suis resté au moins 10 secondes à attendre comme ça. Et en gros, voilà, j'étais obligé de recommencer. Oh là là, ma femme, tu es belle! J'ai reçu deux ATC,
Voilà, donc de Vanessa du Sénégal. Et donc justement, Vanessa nous avait dit, a dit à Corinne qu'elle pouvait venir au Sénégal. Donc Corinne a répondu, m'a demandé si c'était les billets d'avion pour y aller. Tu fais quoi? Pastis les cheveux. Et on a reçu pour la famille. Je sais pas. Il veut pas. Hop, famille Bourdin, c'est pas grave. Vous avez pu peut-être entrelire. Donc, une. Donc, je pense que ça, c'est une ATC. Avec pochette ATC. Ah non, j'ai eu de la chance, l'ATC est là, donc je ne l'ai pas vu, donc je la mettrai avec les autres. Ça sent les sucreries, bon c'est normal, c'est pour la famille, je ne vais pas tout manger quand même. Mais dans cette enveloppe c'est une autre ATC ou pas? Ou c'est une... Non, ça a l'air d'être une carte Halloween. Donc je la pose. Merci. Daniel de Montélimar. D'où les nougats. Je te remercie pour toute la famille. C'est pas qu'on aime les bonbons, mais presque. Il y a plein de bonbons! Ouais. Ouais, t'es encore en train de faire ton lissage? Ouais. Vive les femmes. C'est pas grave, je mange sans toi! Ouais. Merci! Enfin bref, je vais retourner à ce que j'étais en train de faire, donc j'ai fait le montage de la vidéo, je suis parti à la poste. Voilà, je vais mettre ça. Donc j'ai reçu ce magnifique petit lot de bonbons. En tout cas, je suis trop content, merci. Ça fait trop plaisir de recevoir des trucs. Il n'en faut plus pour être heureux. Bah ça, c'est suffisant. Voilà, de quoi ne pas maigrir encore pour cet hiver. Avec pochette ATC. Des bonbons ou un sort? Bah là, c'est trop tard, c'est des bonbons. Merci. Encore, je le redis. Allez, je vais continuer. Et on se retrouve tout à l'heure. Sûrement pour voir le colis que j'ai reçu. Aussi, d'une abonnée aussi. Merci. Allez, j'arrête. On se retrouve à l'endroit Disney. Ouais. À l'endroit Disney, parce que le colis que je vous ai parlé ce matin, donc le colis que j'ai reçu finalement d'une abonnée, donc merci Delphine, franchement, c'est tuerie. Tintin, t'en redonnes? Ah, mais putain, parle là. Oui, je sais. Tintin! Alors, elle m'a envoyé que des classiques Disney, donc la nouvelle. Alors, je sais qu'elle m'a mis, voilà, elle m'a mis deux trucs, voilà, où il y a des défauts. Merci quand même de les avoir envoyés, je vais essayer de les réparer. Donc, le Roi Lion, Winnie l'ourson, non, on n'avait pas, non. Frère des ours, Toy Story. Voilà. Non, on a le 2. Mais non, on a le 2. Ah oui. Et Toy Story 3. Ah, c'est cool, on a les 3. Donc, ouais, on a une collection, on a les 3. Ah, le monde de Nemo, la maison de Mickey. Maison de Mickey. Non, c'est le 2 qu'on a. Ah, maison de Mickey. Et attends, tu m'as un peu interchangé. J'ai les trucs. Donc, Frère des ours, j'ai montré le Roi Lion. C'est juste enlever Peter Pan. Le Peter Pan là. Ouais. The Wild
Et les aventures de Tigrou et son ami Winnie l'ourson. Et les deux là, donc en fait il y a un défaut, elle m'a dit qu'il y avait des pages de décollé. Donc c'est Cars. Donc au pire je vais essayer de la recoller propre. Là, et il y a 10... Ouais, c'est juste ça, c'est ce qu'elle m'a dit. On va mettre du stabilo. Et dinosaure, donc elle m'a juste marqué comme quoi il y avait le nom, donc voilà. Voilà, tout simplement. En tout cas, merci Delphine. Si vous aussi, comme Delphine, vous voulez... J'avoue, on a fait ça bien, en fait. Hein. Franchement, je te remercie, ça grandit notre collection. Donc, merci, merci et merci. Ça, c'est voilà. Et j'ai bien reçu ta carte, ton ATC, hein, donc que je vais mettre avec les autres ATC. Voilà, oh, je suis trop content, mais maintenant il va falloir que je déplace tout ça parce que ça ne rentrera plus. Et en plus, on s'est aperçu que le Aladdin qu'on a pris hier, ouais, bah en fait, c'est pas la bonne collection. C'est encore une autre collection, quoi. Je sais pas combien de collections Disney ils ont fait, mais ils ont dû en faire énorme. Voilà, je vais ranger ça, je vais. Me faire un petit café, ou ma femme va peut-être me faire un petit café. Ouais, c'est... T'as l'air motivé, mais d'une force. Voilà, et je vous retrouve tout à l'heure. On finit avec cette petite session châtaigne dehors. Ça sent trop bon, c'est les premières. Franchement, le temps d'aujourd'hui, il a été, mais... Avisé. Alors qu'il fait beau dans toute la France. Sauf chez nous. Ouais, je suis en train de manger des... Je suis en train de me battre. Enfin bref. J'ai rien fait de plus depuis tout à l'heure, à part ranger mon atelier. Pour demain qu'on puisse... Bah, que je puisse... me mettre au travail création. Et une furie. Là, je viens de faire ça. Je vais en emmener pour que ce soir, les enfants ils puissent en manger un peu à leur repas. Voilà. Allez. Je vais arrêter là, je vais me remanger une petite châtaigne histoire de dire avant le repas. Ce repas ce soir c'est soupe. Donc franchement ça me dit rien du tout. Donc je vais manger ça. Les chatons. Alors lui c'est Tegrito. Et lui, c'est Simba. C'est moi Simba, c'est moi le roi du royaume animal. Et toi là-haut? Allez, je vais arrêter là. Je vous dis pas quoi faire, vous le savez. Pouce bleu, commentaire, tout ça, tout ça. Et je vous dis à demain pour un mardi créa, normalement, si tout va bien. Ah, pas que, parce que l'après-midi, il faut que je bouge. Enfin bref, allez, je vous dis donc à demain si tout va bien.